Is it K-Dot, is it Aubrey or me? We the big three like we started a league. But right now I feel like Muhammad Ali. Yeah, Muhammad Ali, the one that they call when they shit ain't connecting no more. Feel like I got a job in IT. Rhyming with me is the biggest mistake. The Spider-Man meme is me looking at Drake. It's like we recruited your homies to be demon deacons. We got them a 10 in your wake. Hey, how the gang got away from the bars, man, this shit like a prison escape. Everybody steppers with fucking and everybody breakfast, and I'm about to clear up my plate. When I show up, it's motion picture, blockbuster. The goat with the golden pen, the top toucher, the spot rusher. Spray this whole shit up, the crop duster. Not Russia, but apply pressure to your cranium. Cold's automatic when aiming them. With the boy in the status of stadium. Nigga. Hey, I'm about to. Yo, I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa. I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa. I'm down to click out on you hoes and make a crime scene. I click the trigger on a stick like a high beam. And I was Benny Will Whip when I was 19. She called my number, leave her hanging, she got dry clean. She got an Android, her messages is lime green. I search one name and end up seeing 20 teens. Nadine, Christine, Justine, Kathleen, Charlene, Pauline, Claudine. Man, I pack them in this phone like some sardines. And they send me naked pictures, it's just small things. You niggas still taking pictures on a golf stream. My youngest richer than you rappers and they all stream. I really hate that you been selling them some false dreams. Man, if your pub was up for sale, I'd buy the whole thing. Will they ever give me flowers? Well, of course not. They don't wanna have that talk cause it's a sore spot. They know the boy, the one they got a boycott. I told Jimmy Jam I use a Grammy as a doorstop. Girl, give me some hair because I need it. And if I fuck with you, then after I might eat it. What? Niggas talking about when this gon' be repeated. What the fuck, bro? I'm one away from Michael. Nigga, beat it, nigga, beat it. What? Beat it, 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 what? Don't even pay me back on none of favors. I don't need it. First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To them niggas that say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the three, not the two, I'm at UNO. Yeah. Numero UNO, me and Drizzy, this shit like the Super Bowl. Man, this shit done it big as the... Big as the Super Bowl, but the difference is it's just two guys playing shit that they did in the studio. Niggas usually send they verses back to me and they be terrible just like a 2-year-old. I love a dinner with some fine women when they start debating about who the GOAT. I'm like, go ahead, say it then. Who the GOAT? Who the GOAT? Who the GOAT? Who the GOAT? Who you bitches really rooting for? Like a kid that had bad from January to November, nigga, it's just you and Cole. Big as the what? Super Bowl. Niggas so thirsty to put me in beef. I set in my words and start looking too deep. I look at the tweets and start sucking my teeth. I'm letting it rock cause I love the mystique. I still wanna give me a song where I be. Can't trust everything that you saw on IG. Just know if I diss you, I make sure you know that I hit you like I'm on your caller ID. I'm naming the album to fall off. It's pretty ironic cause it ain't no fall off for me. Still in this bitch getting bigger. They waiting on the kid to come drop like a father to be. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot? Is it Aubrey or me? We the big three like we started a league. But right now I feel like Muhammad Ali. Yeah, Muhammad Ali, the one that they call when they shit ain't connecting no more. Feel like I got a job in IT. Rhyming with me is the biggest mistake. The Spider-Man meme is me looking at Drake. It's like we recruited your homies to be demon deacons. We got them a 10 in your wake. Hey, how the gang got away from the bars, man, this shit like a prison escape. Everybody steppers with fucking and everybody breakfast, and I'm about to clear up my plate. When I show up, it's motion picture, blockbuster. The goat with the golden pen, the top toucher, the spot rusher. Spray this whole shit up, the crop duster. Not Russia, but apply pressure to your cranium. Cold's automatic when aiming them. With the boy in the status of stadium. Nigga.
I'm about to. Yeah. I'm about to click out on this shit. I'm about to click. Whoa. I'm about to click out on this shit. I'm about to click. Whoa. I'm down to click out on you hoes and make a crime scene. I click the trigger on a stick like a high beam. And I was Benny Will Whip when I was 19. She called my number, leave her hanging, she got dry clean. She got an Android, her messages is lime green. I search one name and end up seeing 20 teens. Nadine, Christine, Justine, Kathleen, Charlene, Pauline, Claudine. Man, I pack them in this phone like some sardines. And they send me naked pictures, it's the small things. You niggas still taking pictures on a golf stream. My youngest richer than you rappers and they all stream. I really hate that you been selling them some false dreams. Man, if your pub was up for sale, I'd buy the whole thing. Will they ever give me flowers? Well, of course not. They don't wanna have that talk cause it's a sore spot. They know the boy, the one they got a boycott. I told Jimmy Jam I use a Grammy as a doorstop. Girl, give me some hair because I need it. And if I fuck with you, then after I might eat it. What? Niggas talking about when this gon' be repeated. What the fuck, bro? I'm one away from Michael, nigga. Beat it, nigga. Beat it. What? 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 Don't even pay me back on none of favors. I don't need it. First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To them niggas that say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the three, not the two, I'm the UNO. Yeah. Numero UNO, me and Drizzy, this shit like the Super Bowl. Man, this shit done it big as the... Big as the Super Bowl, but the difference is it's just two guys playing shit that they did in the studio. Niggas usually send they verses back to me and they be terrible just like a 2-year-old. I love a dinner with some fine women when they start debating about who the GOAT. I'm like, go ahead, say it then. Who the GOAT? Who the GOAT? Who the GOAT? Who the GOAT? Who you bitches really rooting for? Like a kid that had bad from January to November, nigga, it's just you and Cole. Big as the what? Big as the what? Big as the what? Big as the Super Bowl. Niggas so thirsty to put me in beef. Dissecting in my words and start looking too deep. I look at the tweets and start sucking my teeth. I'm letting it rock cause I love the mystique. I still wanna give me a song where I be. Can't trust everything that you saw on IG. Just know if I diss you, I make sure you know that I hit you like I'm on your caller ID. I'm naming the album to fall off. It's pretty ironic cause it ain't no fall off for me. Still in this bitch getting bigger. They waiting on the kid to come drop like a father to be. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot? Is it Aubrey or me? We the big three like we started a league. But right now I feel like Muhammad Ali. Yeah, Muhammad Ali, the one that they call when they shit ain't connecting no more. Feel like I got a job in IT. Rhyming with me is the biggest mistake. The Spider-Man meme is me looking at Drake. It's like we recruited your homies to be demon deacons. We got them attending your wake. Hey, how the gang got away from the bars, man. This shit like a prison escape. Everybody steppers with fucking and everybody breakfast. And I'm about to clear up my plate. When I show up, it's motion picture blockbuster. The GOAT with the golden pen, the top toucher, the spot rusher. Spray this whole shit up, the crop duster. Not Russia, but apply pressure to your cranium. Cold's automatic when aiming them. With the boy in the status of stadium. Nigga. Hey, I'm about to. Yeah. I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa. I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa. I'm down to click out on you hoes and make a crime scene. I click the trigger on a stick like a high beam. And I was Benny Will Whip when I was 19. She called my number, leave her hanging, she got dry clean. She got an Android, her messages is lime green. I search one name and end up seeing 20 teens. Nadine, Christine, Justine, Kathleen, Charlene, Pauline, Claudine. Man, I pack them in this phone like some sardines. And they send me naked pictures, it's the small things. You niggas still taking pictures on a golf stream. My youngest richer than you rappers and they all stream. I really hate that you been selling them some false dreams.
after I might eat it. Niggas talking about when this gon' be repeated. What the fuck, bro? I'm one away from Michael, nigga. Beat it, nigga. Beat it. What? 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 Don't even pay me back on none of favors. I don't need it. First person shooter mode, we turning your song to a funeral. Tell them niggas to say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. Lot of niggas debating my numero. Not the three, not the two, I'm the UNO. Yeah. Numero UNO, me and Drizzy, this shit like the Super Bowl. Man, this shit done it big as the... Big as the Super Bowl, but the difference is it's just two guys playing shit that they did in the studio. Niggas usually send they verses back to me and they be terrible just like a 2-year-old. I love a dinner with some fine women when they start debating about who the GOAT. I'm like, go ahead, say it then. Who the GOAT? Who the GOAT? Who the GOAT? Who the GOAT? Who you bitches really rooting for? Like a kid that had bad from January to November, nigga, it's just you and Cole. Big as the what? Big as the what? Hey. Big as the Super Bowl. Niggas so thirsty to put me in beef. Dissecting in my words and start looking too deep. I look at the tweets and start sucking my teeth. I'm letting it rock cause I love the mystique. I still wanna give me a song who I be. Can't trust everything that you saw on IG. Just know if I diss you, I make sure you know that I hit you like I'm on your caller ID. I'm naming the album to fall off. It's pretty ironic cause it ain't no fall off for me. Still in this bitch getting bigger. They waiting on the kid to come drop like a father to be. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot? Is it Aubrey or me? We the big three like we started a league. But right now I feel like Muhammad Ali. Yeah, Muhammad Ali, the one that they call when they shit ain't connecting no more. Feel like I got a job in IT. Rhyming with me is the biggest mistake. The Spider-Man meme is me looking at Drake. It's like we recruited your homies to be demon deacons. We got them attending your wake. Hey, how the gang got away from the bars, man. This shit like a prison escape. Everybody steppers with fucking and everybody breakfast. And I'm about to clear up my plate. When I show up, it's motion picture, blockbuster. The GOAT with the golden pen, the top toucher, the spot rusher. Spray this whole shit up, the crop duster. Not Russia, but apply pressure to your cranium. Cold's automatic when aiming them. With the boy in the status of stadium. Nigga. Hey, I'm about to. Yo, I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa. I'm about to click out on this shit, I'm about to click, whoa. I'm down to click out on you hoes and make a crime scene. I click the trigger on a stick like a high beam. And I was Benny Will Whip when I was 19. She called my number, leave her hanging, she got dry clean. She got an Android, her messages is lime green. I search one name and end up seeing 20 teens. Nadine, Christine, Justine, Kathleen, Charlene, Pauline, Claudine. Man, I pack them in this phone like some sardines. And they send me naked pictures, it's the small things. You niggas still taking pictures on a golf stream. My youngest richer than you rappers and they all stream. I really hate that you been selling them some false dreams. Man, if your pub was up for sale, I'd buy the whole thing. Will they ever give me flowers? Well, of course not. They don't wanna have that talk cause it's a sore spot. They know the boy, the one they got a boycott. I told Jimmy Jam I use a Grammy as a doorstop. Girl, give me some hair because I need it. And if I fuck with you, then after I might eat it. What? Niggas talking about when this gon' be repeated. What the fuck, bro? I'm one away from Michael. Nigga, beat it, nigga, beat it. What? Beat it, 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 what? Don't even pay me back on none of favors. I don't need it. First person shooter mode, we turning your song to a funeral. Tell them niggas to say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. Lot of niggas debating my numero. Not the three, not the two, I'm the UNO. Yeah.
Numero UNO, me and Drizzy, this shit like the Super Bowl. Man, this shit done it big as the... Big as the Super Bowl, but the difference is it's just two guys playing shit that they did in the studio. Niggas usually...
Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce premier match de saison régulière de volleyball féminin opposant les Carabins de l'Université de Montréal aux GGs de l'Université d'Ottawa. À quelques secondes de débuter cette rencontre, allons-y avec les alignements partants de chaque côté. Chloé Gallarno, Hayley, Brittany McGlashan, Florence Cloutier, Sarah McGlashan, Wina Zubak, Myriam Kayser-Tourigny et Melissa Georgievich forment l'alignement partant du côté des Carabins. Alors que du côté des GGs, Grace McKill, Michaela Jones, Bryn Lewis, Alana Lung, Maxime Langevin, Nicole Hildebrand, Danica Robert et Audrey Odigi. Donc, bon après-midi et bonne saison de volleyball universitaire. C'est lancé, c'est remonté du côté d'Ottawa. On va sur l'aide tout de suite. Belle attaque à l'intérieur. Point GG's. Si vous avez l'œil averti à la maison, il y a eu quelques changements là, du côté de la troupe d'Olivier Trudel, donc des Carabins. On y reviendra plus tard dans la diffusion. Service raté de la part d'Alana Lung. Point gratuit aux Carabins. De retour à égalité, un partout. Maintenant, au tour de Chloé Gallarno-Hayley de s'élancer, joueuse de troisième année qui étudie en droit et qui vient de la région d'Ottawa. Et le service est à l'extérieur, donc on s'échange des points. Service GG's, c'est Maxime Langevin qui s'élancera. Langevin. Service en plein centre, c'est remonté par McGlashan. En plein centre, attaque qui passe tout juste par-dessus le filet. Récupération encore une fois sur l'aile, c'est contré. On revient du côté des Carabins. McGlashan remonte à sa sœur. Passe en plein centre, c'est remonté. Bien fait du côté des GG's. Et on attaque encore une fois, ça revient du côté d'Ottawa. En plein centre, aux 3 mètres, attaque de McKell. C'est remonté par McGlashan à sa sœur. Passe arrière à Cloutier qui réussit sa première attaque de la saison. Et c'est 2-2. Fait à noter, on a les sœurs McGlashan du côté des Carabins. En blanc, c'est la libéro Brittany, alors qu'au poste de passeuse, eh bien, c'est Sarah. Et c'est un as, premier as de la saison, signé Melissa Georgievich. Et les Carabins prennent les devants pour la première fois. Georgievich, de retour au service. Envoie ça en plein centre. Difficilement remonté. McKell, encore une fois. Oh, problème de communication. Ça revient du côté des Carabins. En plein centre, encore une fois. Belle attaque de Kayser-Tourigny. Et les attaques en plein centre sont communes et c'est la première qui est décisive du côté des Carabins. Georgievich, troisième service consécutif. Et c'est à l'extérieur. Elle visait encore la libéro Michael Jones. Et c'est au tour d'Audrey Odigi de s'élancer au service. Elle qui touche énormément de ballons en position 4 à l'attaque depuis le début de la rencontre. Odigi s'est envoyé en plein centre. McGlashan sur l'aile à Cloutier. Bien remonté par Odigi. Ça revient sur l'aile à McKell. McKell, belle récupération, mais ça touche le plafond. Et les GG's marquent 2 points consécutifs. Odigi de retour au service. Odigi, au service. C'est raté. Donc, c'est un troisième service raté dans ce match. Et les Carabins reprennent le ballon à 5-4. Una Zubak qui est au service. La gauchère envoie un ballon flottant là, du côté d'Odigi. Ça revient aux 3 mètres. Zubak récupère. McGlashan. Encore une fois vers Cloutier, passe légèrement là, en arrière de l'attaquante et de la capitaine. On revient à 5-5. Maintenant au tour de Danica Robert de frapper son premier service. Et la droitière envoie ça en plein centre, bien remonté. Passe arrière, attaque qui fonctionne, bien fait de la part de Kayser-Tourigny.
Les Carabins se donnent une avance de 1 point. C'est 6-5. Florence Cloutier, la capitaine, la vétérane, profite là, du rebond favorable contre le filet. L'attaque est ratée du côté de Lung. Et c'est 7-5 pendant qu'on festoie là, du côté des Carabins sur le banc. On a toutes sortes de célébrations. Je vous invite à jeter un coup d'œil au fond à gauche de l'écran. Florence Cloutier au service. Bien remonté. Passe arrière. Bien contré par Casey Tourigny. On se réorganise du côté d'Ottawa. Encore une fois en deux. McGlashan remonte à sa sœur. Passe vers Casey Tourigny. Bien fait là, de la part de Gallardo-Haley. Et on récupère du côté d'Ottawa. On doit donner le ballon. Mais Kiel, ça revient à Casey Tourigny. Belle attaque, mais on a touché au filet du côté de McHale. Et on se donne 2 points d'avance du côté des Carabins. En fait, c'est 3 points d'avance. Cloutier au service. Et c'est un autre service raté. Les GGs reprennent le ballon. Autour de Nicole Hildebrand, la joueuse de centre, d'aller au service. Et non, le filet refuse de laisser passer le ballon. Et c'est 9-6. Kayser Tourigny au service. Et c'est bien fait, c'est bien remonté du côté d'Ottawa. Attaque aux 3 mètres de ODG et ça touche le contre. C'est 9-7. On voit qu'on utilise énormément ODG du côté des GGs à l'attaque. Peu importe où elle est sur le terrain, autant en position 4 qu'à la ligne de 3 mètres. Donc, bien fait. Cloutier aux 3 mètres et encore une fois à l'extérieur. Donc, on n'est pas au diapason là, lors des deux dernières attaques pour Florence Cloutier. Et ça cause 2 ballons à l'extérieur. Plus qu'un point d'écart entre les deux équipes, mais c'est au tour de Grace McHale de s'élancer. McHale en rate son service. Est-ce que c'est la pression, le stress de jouer un premier match? Bref, on revient à 18. Carabin, McGlashan au service, la gaucheur. On voit ça vers McHale. Ça revient en plein centre. Lung à l'attaque. C'est contré, mais le ballon reste du côté des Carabins. McGlashan renvoie en manchette. Ça revient du côté d'Ottawa. Passe arrière vers Lung. Et c'est à l'extérieur. Ça a touché le filet. On a très bien agi en défensive là, du côté des Carabins pour éviter ce ballon. 3 points d'avance pour Montréal. C'est au tour de Sarah McGlashan d'aller au service. La gauche envoie ça encore une fois vers McHale. Maintenant, ça revient sur elle. Beau contre-double. Et on veut réattaquer. C'est ODG qui envoie ça à l'extérieur. Il voulait envoyer une petite touche par-dessus le contre. Une touche beaucoup trop lourde, finalement, qui tombe à l'extérieur. 12-8, Carabin. McGlashan, encore une fois au service. Et c'est à l'intérieur. Et c'est un autre as du côté des Carabins. Après Georgievich, c'était au tour de McGlashan. Et on aura un premier temps d'arrêt dans ce match. C'est du côté d'Ottawa. Et pendant ce temps, eh bien, on va vous présenter le dernier match. En fait, pas le dernier match. Les joueuses de première année qui ont joint les Carabins cette année. Donc, on voit qu'on est allé chercher un peu partout au Québec. Autant à Lionel Groulx, Bois de Boulogne, Édouard Montpetit et Garneau. Donc, les joueuses habillées aujourd'hui, eh bien, on a Émilie Bourque, l'attaquante du cégep de Bois de Boulogne. Naomi Babi également est habillée. Anouk Van Rossum, on pense l'avoir aperçue sur le banc. Là. Et ce qui en est de. Et Ilona Milan également et Charlotte Galland aussi. Il faut savoir que Gabriel Fortin n'est pas de retour avec l'équipe, tout comme Alexandre de Rome et Maud Babin, évidemment, qui a pris sa retraite après ses années d'éligibilité. Donc,
une nouvelle classe de joueuses de première année là, qui font leur entrée pour la troupe d'Olivier et Trudel. On verra à quel point elles s'illustreront au courant de la saison 2023-2024. McGlashan, encore une fois, au service. Service flottant, bien récupéré par Lung. On veut attaquer, bien fait là, du côté de McGlashan. Assasseur, Zubac attaque, c'est contré. Ça revient du côté montréalais. McGlashan sur l'aile à Galano-Haley, attaque, c'est contré. Ça revient du côté des Carabins. Problème de communication ici, là. Et quelle attaque de Galarno-Haley! Et c'est 14-8. Wow! Encore une fois, McGlashan au service. Vise le coin. Bien remonté par McHale. Sur l'aile à ODG, c'est contré. Ça revient du côté de Ottavien. McHale envoie ça complètement à l'extérieur et les Carabins là, se donnent 7 points d'avance. Mais on a un premier changement dans ce match. Grace McHale cède sa place à la numéro 8, Dina Bristow, une attaquante de deuxième année de Saskatoon, en Saskatchewan, évidemment, elle qui étudie en psychologie. McGlashan continue sa séquence. Irrésistible au service. C'est bien remonté. Et on attaque aux 3 mètres. Ça ne passe même pas. C'était une attaque de Nicole Hildebrand du 3 mètres. Et c'est 16-8. Carabin. Maintenant, au tour de McGlashan. Encore une fois. Et bon, la séquence heureuse se termine ici. C'est 16-9 Carabin, donc tout un passage au service de la part de Sarah McGlashan. Alana Lung au service. C'est envoyé dans le filet. Point gratuit au Carabin. Et on se donne une sérieuse option sur la manche, là. 17-9. Galarno Haley au service. La droitière envoie ça vers la libéro qui ne maîtrise pas. C'est un as pour Galarno Haley. 18-9. Haley de retour au service. C'est envoyé en plein centre. Bien remonté. L'Angelier passe arrière. L'attaque ne passe pas le filet. C'est 19-9. Haley de retour au service. C'est envoyé encore une fois vers la libéro. Cette fois, elle laisse passer le ballon. Il tombe à l'extérieur. C'est 19-10. La passeuse Maxime Langevin au service. C'est envoyé vers McGlashan. Ça revient à sa sœur là, qui doit courir quelque peu. Cloutier, c'est réussi. Elle perce le contre. Et c'est une autre attaque marquante pour la capitaine. C'est 20-10. Melissa Georgievich au service. Elle qui en a tout un. Et c'est un... Oh! On juge à l'extérieur. Mais on était... Honnêtement, j'étais directement devant et je peux vous confirmer là, que ça a touché la ligne. ODG, au service. Ça touche le filet, bien remonté par McGlashan. Passe arrière et passe arrière raté qui donne... Un point presque gratuit là, du côté des GG, c'est 20-12. ODG au service. Ça va du côté de Cloutier. McGlashan passe arrière à Zubac, la gauchère.
Il va d'une petite touche en plein cœur du terrain. 21-12 et on aura l'entrée en scène de deux joueuses de première année. Émilie Bourque, la numéro 3, et la numéro 4, Naomi Babi. Foule le sol lors d'un match universitaire pour la première fois. Donc, et c'est Babi là, qui est au service de ses premières minutes de jeu universitaire. Et elle devra attendre quelque peu puisqu'on a un deuxième temps d'arrêt. Cette fois du côté, encore une fois en fait, du côté d'Ottawa. Et pendant ce temps, eh bien, on vous présente le classement au RSEQ parce que oui, la saison est déjà amorcée là, pour quelques équipes. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais on a une équipe qui s'est ajoutée. LUCAC s'est quand même bien défendu là, face à LUCAM, elle qui joue à domicile. Donc, bon. Ils n'ont pas gagné une manche, mais tout de même, un beau travail là, du côté de LUCAC. La plus grande surprise de la fin de semaine, c'est Laval là, qui a gagné en trois manches face à Sherbrooke. Et McGill face à l'UQTR, eh bien, signe une première victoire. Donc, reste à voir qui de Montréal ou Ottawa se dirigera du côté des équipes gagnantes après cette rencontre. Et j'ai bien hâte de voir là, comment le classement évoluera au courant des prochaines semaines. C'est l'heure maintenant, Naomi Babi, son premier service au niveau universitaire. Et c'est bien fait. L'Angelier s'est remonté. Maintenant, passe vers Cloutier qui attaque. Bien remonté encore une fois. On y va d'une attaque qui est à l'intérieur. Et on n'était pas content de du côté de Florence Cloutier. Mais bon, on doit faire avec les décisions de l'arbitre. 21-13. Donc dire que le service de Babi n'a pas donné un point gagnant au Carabin. Et on a là un changement du côté des GGs. Lung cède sa place à la numéro 9, Jenna McKay. Et c'est Danica Robert qui est au service. Robert, bien fait. McGlashan, quelques peu de difficultés. Garlano Haley passe à Cloutier. Cloutier, il va d'un ballon là qui... Un lob par-dessus le contre et on ne peut récupérer point Carabin. 22-13 maintenant. La capitaine Florence Cloutier au service. C'est envoyé en plein centre. ODG, quelque peu de difficulté et doit renvoyer en touche. C'est bien fait par les Carabins, bien contré. Maintenant, passe vers Bourque. Première attaque qui réussit de l'autre côté. Ça revient du côté des GGs. L'attaque est contrée et on ne peut récupérer. Beau travail là, de Galarno Haley qui s'illustre en cette première manche. C'est 23-13. Cloutier au service. C'est envoyé en plein centre. On envoie au 3 mètres à ODG qui attaque. Très bien fait. Ça a touché la libéro McGlashan. Ça tombe à l'extérieur. 23-14. Et on a un autre changement. Le numéro 3, Cameron Giddens, fait son entrée sur la scène du volleyball universitaire au service. Elle étudie en sciences biomédicales et vient de Fall River. En Nouvelle-Écosse. C'est remonté par les Carabins. Attaque de Garano Haley. Bien fait du côté d'Ottawa. On passe sur l'aile et le contre ne réussit pas. Dina Bristow qui marque le point 23-15. Giddens de retour au service. Bien fait par Cloutier qui remonte. Passe à Galarno Haley qui marque un autre point. Cette fois, il y va d'une excellente touche. Et c'est 24-15. Et on se donne une sérieuse option sur la manche.
avec Myriam Kayser-Tourigny au service. Kayser-Tourigny envoie le ballon dans le coin du terrain. C'est un as. Et la première manche se conclut par la marque de 25-15. Donc, excellent travail du côté des Carabins qui exploitent là, les faiblesses du côté des Gigi. Autant au service, on a énormément de difficultés en position 1. On juge mal les ballons jusqu'à maintenant au service. Et on verra ce que ça donnera en deuxième manche. On prend une petite pause et on vous revoit pour cette deuxième manche entre les Carabins de l'Université de Montréal et des Gigi's de l'Université d'Ottawa. De retour au Sepsum pour cette deuxième manche entre les Carabins de l'Université de Montréal et les Gigi's de l'Université d'Ottawa dans ce qui est le match d'ouverture là, de la troupe d'Olivier Trudel. Et quelques statistiques là, en première manche. Eh bien, du côté des Carabins, Florence Cloutier et Chloé Galano-Haley se sont illustrés à l'attaque avec trois attaques marquantes. En fait, trois attaques marquantes, oui, du côté de Cloutier et deux du côté de Galarno-Haley. Au service, eh bien, on a deux as, Galarno-Haley et McGlashan. Et c'est un service raté qui amorce cette deuxième manche. Et du côté... du côté des passes, eh bien, Maxime Langevin du côté... d'Ottawa, on a 5. Voilà. Tout comme Sarah McGlashan du côté des Carabins. On y reviendra. Le ballon est du côté de Lung. Ça touche le filet. Et ça a touché aussi la main d'une des joueuses au contre. C'est 1 à 1. Et c'est Lung qui est de retour au service. Lung en plein centre à McGlashan, à sa sœur. Belle passe pour Zubac, qui trouve l'ouverture à la droite du contre. C'est 2-1. Georgievich au service. C'est bien fait, bien monté. Langevin. Passe courte et on ne peut réussir le sauvetage. Bien fait là, de la part de Jaina McKay. Qui trouve l'ouverture au ras du filet. C'est 2-2. Au service, la passeuse, Maxime Langevin.
C'est envoyé en plein centre et c'est un as! Bien fait là, par Langevin. Le ballon a descendu très rapidement en plein centre du terrain, ce qui donne un point aux GGs et l'avance du même coup. Langevin envoie ça du côté de Cloutier. Mauvaise touche, mais elle récupère tant bien que mal. Ça revient du côté des GGs. Attaque en plein centre et qui touche. C'est 4-2, donc tout un début de manche pour la troupe de Lionel Woods. Langelier, encore une fois, au service. C'est remonté par Haley. Passe au filet. Et on récupère bien là, du côté des GGs. ODG réussit l'attaque marquante et c'est 5-2. Maxime Langelier. Quatrième service consécutif. C'est encore une fois envoyé en plein centre. Bien récupéré cette fois. Passe arrière à Zubac. Voit son ballon contré. Ça revient du côté de Montréal. Cloutier maintenant. Attaque, c'est contré. Les GGs font un excellent travail au contre. Et c'est 6-2. Et les célébrations ne sont pas uniquement du côté des Carabins. On s'en donne à pleine capacité du côté du bas des GGs. Et la séquence de Langelier se termine avec un service qui va choir dans le filet. C'est 6-3. Una Zubac au service. La gauchard envoie ça en plein centre. Bien fait là, de la part des Carabins. Et l'attaque rate. On se réorganise du côté des GGs, oui. Et les Carabins récupèrent. Cloutier réussit-elle? Bel effort là, de la part de Mekel et de Bryn Lewis. Mais quelle attaque de Cloutier! Zubac de retour au service. Et ça frôle le filet, bien fait. Et Gigi's attaque, bien récupérée par Galano Haley. McGlashan à Cloutier. Cloutier qui lobe le ballon, très bien fait là, de la part de la capitaine. Et on réduit l'écart à un seul point. Zubac, la gauchère, bien servie. Ça revient à ODG qui voit son ballon être contré par Cloutier. Et c'est l'égalité à 6. Zubac au service, à nouveau. C'est bien remonté par Lewis. Ça revient sur l'aile à ODG qui trouve l'ouverture à la droite. Enfin, à la gauche du contre, de notre point de vue. Et c'est 7-6. Audrey, ODG, au service. L'attaquante envoie le ballon en plein centre. Bien remonté par McGlashan, en fait. Elle réussit à renvoyer de Penny-Mizard de l'autre côté. Point facile là, du côté d'Ottawa. Et ODG revient au service. Et manque de communication du côté des Carabins, mais Cloutier, bel effort, ça revient du côté d'Ottawa. Et on attaque, bien contré, bien fait par McGlashan. Ça revient en plein centre à Mekel sur l'aile. Cette fois, ça fonctionne. Et Ottawa, là, a 3 points d'avance. ODG au service. McGlashan à sa sœur, à Cloutier. Cette fois, elle trouve la diagonale. Bien fait là, de la part de la capitaine. 9-8 Ottawa maintenant. Et c'est Cloutier
qui est de retour au service. Florence Cloutier étudie en génie informatique à la Polytechnique. Passe arrière vers Mikkel. Et non, ça ne passe pas. Bien fait par Gallard-Noëlle. Ça vient de l'autre côté. On veut chercher l'angle et c'est trop loin. Bien jugé encore une fois de Gallard-Noëlle. Vraiment, il connaît un fort match. Florence Cloutier de retour pour le service. 9 partout. C'est envoyé vers ODG qui récupère. Passe arrière, Mikkel, c'est contré. Ça vient du côté d'Ottawa. Et attaque ne réussit pas. Ça venait de Bristow. Et ça offre l'avance au Carabin. Donc, belle séquence là au service pour Cloutier. Cloutier. Bien fait. Langelier. Et Bristow, cette fois, ça fonctionne. Belle attaque là, pour la joueuse de 6 pieds 1. McKay au service. Égalité à 10 partout. Bien monté par Cloutier. McGlashan passe à Gallard-Noëlle. Ça revient du côté d'Ottawa. McKay à Mikkel. Ça fonctionne! Et Mikkel redonne les devants aux GGs. Mikkay au service. Bien remonté par Cloutier. McGlashan aux 3 mètres à Cloutier. Bel enchaînement là, mais bien remonté. Ça revient sur l'aile, Bristow. Gallard-Noëlle, McGlashan aux 3 mètres, Cloutier. Et le ballon ne passe pas. C'est à la fois contré par le filet et par les bras. Bien tendu là, d'Alana Lung. Et Ottawa a 2 points d'avance. McKay au service. Bien fait par McGlashan. Kayser-Tourigny attaque. C'est remonté par les GGs. Mikkel, et ça réussit. C'est 13-10. Mikkay au service. Mikkay vers Cloutier. McGlashan voulait surprendre la défensive. Ça ne fonctionne pas. Ottawa à l'attaque. C'est contré. Et très bien fait de la part de McGlashan et Kayser-Tourigny qui conjugue leur effort. Et c'est 13-11. Les Carabins de retour au service. C'est Kayser-Tourigny qui amorcera ce point. Elle qui étudie en environnement et développement durable. Bien, cet échange n'a pas duré. C'est 14-11. Mikkel au service. S'envoie en plein centre. Cloutier. Et Cloutier, là, sa manchette était mal amortie. C'est 15-11. Et on appelle un premier temps d'arrêt du côté d'Olivier Trudel. Et pendant ce temps d'arrêt, eh bien, on va aller voir ce qui s'est passé dans le dernier match de saison régulière entre ces deux équipes. Une rare défaite du côté des Carabins face aux GGs. Et juste en bas, on voit le pointage et les statistiques ensuite. Donc, défaite de 22-25, 25-22, 19-25, 25-17 et 13-15. Et du côté eh bien, des GGs, Avery Hughes, qui n'est plus là, avait été déterminante en attaque. Mikkel et Hildebrand, deux contre chacune. Et Maxime Langelier avait très bien fait au niveau des statistiques individuelles. 38 passes décisives et 12 récupérations. Du côté là, des Carabins, eh bien, Desmet, Derome ne sont pas disponibles pour le match. Eh bien, Derome n'est tout simplement pas de retour avec l'équipe, comme je l'ai dit plus tôt. Donc,
des nouveaux alignements de chaque côté. Et pour le moment, c'est les Carabins qui ont les devants, mais les GGs là, sont plus convaincantes en ce deuxième set. Temps mort terminé. C'est Grace McHale qui revient au service. Et le filet empêche de continuer le point. C'est 15-12 Ottawa. Mais c'est Sarah McGlashan qui est au service. Joueuse de troisième année qui étudie en physiothérapie. C'est bien remonté par McHale. McHale, aux 3 mois, elle doit se contenter d'une manchette qui marque. Donc, elle a vraiment pris la défensive des Carabins par surprise. C'est le genre de séquence là, qui fait rager un entraîneur comme Olivier Trudel. Bristow s'élance. C'est envoyé très loin à l'extérieur. Point gratuit là, à Montréal. Gallarneau, Haley au service. C'est bien fait, mais bien monté. Angélier McHale veut trouver le coin. McGlashan à sa sœur. Quelle attaque de Zubac. Ça revient du côté de Montréal. McGlashan à Cloutier. Ça revient encore une fois du côté montréalais. Quel jeu! Et bien fait là, par Zubac. On continue l'échange. Belle attaque d'ODG qui réussit. C'est 17-13, donc... Bel effort du côté de la défensive montréalaise, mais ODG, il va d'une attaque précise en fond de territoire, ce qui ne donne aucune chance aux Carabins. Point Ottawa, et c'est maintenant Danica Robert qui est au service. Bien fait par McGlashan. À sa sœur, Cloutier, contré, ça revient du côté montréalais. McGlashan à l'attaque est bien fait par McKay. C'est 5 points d'avance maintenant pour Ottawa. Et on y va d'un autre changement. Cloutier sort et cède sa place à la joueuse de première année, Émilie Bourque. Bourque qui a étudié à Bois de Boulogne et qui étudie maintenant en mathématiques. Sûrement au pavillon André Eisenstadt, ici à l'Université de Montréal. McGlashan, à sa sœur encore une fois, Zubac. Et ça fonctionne. Son attaque percutante perce le contre et le ballon tombe du côté d'Ottawa. 14-18. Et Georgievich là, attend le ballon pour son service. Georgievich. Très bien fait. Bien remonté. Belle attaque d'ODG. Et Bourque remonte. Kézé-Tourny se contente de renvoyer en manchette. Ottawa attaque. C'est remonté en crêpe. On continue. Et Ottawa voudrait attaquer un jeu un peu brisé. Là. On s'organise. Zubac contre double. Et on attaque. Et Olivier Trudel là, n'est pas satisfait de cet échange. Et on aura un second temps d'arrêt appelé du côté de Montréal. Et cette fois-ci, eh bien, on va faire une petite pause. On se revoit de l'autre côté de ce temps d'arrêt.
deuxième temps d'arrêt de Montréal est terminé. On reprend cette deuxième manche. Ottawa mène 19-14. Et c'est au tour de la passeuse, là. Maxime Langevin. Oui. D'être au service. Et le ballon tombe à l'intérieur. C'est un as pour la passeuse. Donc, Langevin donne 6 points d'avance à Ottawa. Galanoëlé, McGlashan en plein centre. Kézé-Tourigny voit ça. Son attaque contrée. Kézé-Tourigny à Zubac. Et ça touche le contre. Bien fait là, de la part de Zubac. Et c'est 20-15, toujours Ottawa en avance. Zubac qui voit son ballon atterrir à l'extérieur. Point gratuit là aux GGs. Ça a bien été jugé en défensive. ODG au service. Galanoëlé vers McGlashan. C'est remonté. Zubac aux 3 mètres. Devait chercher Long et réussit le point là. Ça touche le filet, ça touche le contre et ça tombe à l'extérieur. 5 points de différence et c'est Bourque qui s'amène au service. Bourque, service flottant. Ça revient en plein centre, partiellement contré. Et belle attaque là, de Mekke. On reprend le service du côté d'Ottawa. Mekke. Mekke envoie ça vers Bourque. Et c'est un as du côté d'Ottawa. Mekke. Au service. S'envoie encore une fois vers Bourque qui touche le ballon, mais c'est un deuxième as consécutif pour Mekke. Et décidément, là, ce coin de terrain est payant pour les services de chaque côté. Point de manche du côté d'Ottawa, c'est 24-16. Zubac rate sa manchette. Trois as consécutifs pour Mekke. Les GGs remportent la deuxième manche au compte de 25-16. Et on se retrouve là dans quelques instants pour cette troisième manche.
de retour au Sepsum pour ce match d'ouverture entre les Carabins de l'Université de Montréal et les GGs de l'Université d'Ottawa. On a une manche de chaque côté pour le moment. Et c'est Florence Cloutier qui amorcera cette troisième manche. Et c'est parti! Problème de communication du côté des GGs et touche, là, une double touche du côté de la passeuse Langevin. Un beau point pour les Carabins. Cloutier au service. Michael, mauvais contrôle et point du côté des Carabins. C'est 2-0. Cloutier, à nouveau. Service en plein centre. Et encore une fois, ça revient du côté des Carabins. Bien fait, là, de la part de Kayser Tourigny. Et trois points consécutifs pour les Carabins. Service réussi de la part de Cloutier, ODG. Et belle attaque d'ODG, dis-je bien. C'est 3-1. Lung au service. Point gratuit au Carabin, c'est maintenant 4-1. Et si on regarde les quelques statistiques après deux manches, Dina Bristow, 5 attaques marquantes du côté d'Ottawa, alors que Florence Cloutier mène les Carabins avec 7. Kayser Tourigny, service trop long. Point gratuit aux GGs, c'est 4-2. Langevin au service. Une vise Cloutier. Belle manchette. Ça revient du côté de Galanoélé. Beau contre de Mekel et Meke. Un point d'écart. Maintenant, du côté des passes décisives après deux manches, Langevin en a 13 et du côté de Montréal, McGlashan en a 11. Cloutier, belle récupération. Ça revient du côté de Galanoélé qui vise la piscine et ça fonctionne. 5-3, Carabins. Sarah McGlashan au service. Et on est incapable de renvoyer de l'autre côté. 6-6-3. McGlashan de retour au service. Et cette fois, elle ne peut passer le filet. C'est 6-4. Audrey ODG au service. C'est envoyé vers Cloutier. McGlashan de l'autre côté. Belle attaque de Galarno-Haley qui perce le contre, perce le bloc, en fait. C'est 7-4. Galarno-Haley au service. Service flottant, ODG. Langevin, ODG du 3 mètres, c'est raté. 8-4 maintenant pour les Carabins. Galarno-Haley est de retour au service. Bon service vers ODG. Ça revient sur l'aile. Attaque remontée par McGlashan à sa sœur Cloutier. Maintenant, sa peinture le contre. Point Carabin.
Gallarneau, elle est au service. Bien remonté. Et Ottawa envoie de peine une misère de l'autre côté. Passe vers Cloutier. Cloutier. En fait, ça. C'est remonté, mais ça touche le plafond du Sepsum. Et c'est 10-4. On aura un premier temps mort dans cette troisième manche. Cette fois, ça vient de Lionel Woods. Et on vous revoit tout de suite après ce temps d'arrêt. De retour de ce temps d'arrêt, c'est toujours Chloé Gallarneau-Haley qui est au service. Service envoyé vers ODG. On appelle le ballon sur l'aile et c'est complètement à l'extérieur. Donc, une petite mésentente pour la passe. C'est finalement Bryn Lewis qui l'a complété, mais attaque à l'extérieur, c'est 11-4, oui. Attaque cette fois. Qui réussit? Le ballon va toucher le plafond du Sepsum et c'est 11-5. Toujours pour les Carabins. McHale au service. McKay. On voit le ballon touche. Non, à l'intérieur. C'est 11-6. McKay continue sa séquence au service. Envoyé vers McGlashan à sa sœur. Zubak, ça touche le compte, ça tombe. En plein centre du terrain. C'est 12-6. Georgievich visait la ligne, ça allait tomber à l'extérieur, mais McHale y touche. C'est un as. C'est 13-6, oui. Georgievich envoie ça viser l'autre coin, ça tombe tout juste à l'extérieur. 13-7. McHale au service. C'est complètement raté, ça tombe dans le filet. 14-7. Zubak, la gauchère, envoie ça encore une fois à l'extérieur. Point gratuit à Ottawa et on sent que le momentum dans le match tombe quelque peu. Service envoyé en plein centre et on dit que l'effort de McGlashan n'a pas été concluant. 14-9. Maintenant.
Service envoyé vers Galanoele. Beau jeu, Kayser Tourigny. Envoie, ça revient à Kayser Tourigny. McGlashan maintenant à Cloutier. Bien remonté par Mikael. Langevin sur l'aile. Et Odigi envoie ça à l'extérieur. Ça n'a touché personne. 15-9, Montréal. Florence Cloutier, bien remontée par Mikael. Langevin sur l'aile à Odigi qui perce le compte, bien remontée par Cloutier. Ça va du côté des Carabins. Et Cloutier marque sur une manchette. Elle-même est surprise et célèbre. Les bras dans les airs. C'est 16-9 maintenant. Service bien monté par Mikael. Langevin vers Mikael au 3 mètres. Vise les lignes. C'est raté. Ça vient du côté d'Ottawa. Langevin. Et belle attaque d'Odigi qui trouve l'ouverture en plein centre du terrain. 16-10. Et on a un changement. Lung cède sa place à la numéro 15, Danica Robert, qui ira au service. Robert, McGlashan. McGlashan sur l'aile à Galanoele, ça touche le contre. Ça revient du côté Langevin. Quel contre réussi de la part de Kayser Tourigny. Et on célèbre. Bien fait, là, de la part des Carabins. C'est 17-10. Et on a un changement. La numéro 6, Charlotte Bilodeau, qui est habituellement libéro, fait son entrée sur la scène universitaire. Elle amorce tout ça au service. Elle est étudiante au HEC en administration. Ottawa reprend belle passe arrière et Mekke trouve l'ouverture là. Très bien fait. 17-11. Maxime Langevin au service. Et mauvaise touche de Galanoele qui, au lieu de l'envoyer dans les airs, eh bien, l'envoie à sa droite. Ce qui ne réussit évidemment pas. Point Ottawa. 16-11, réussi, ça revient du côté des Carabins. Belle attaque! Bouna de Milissa Georgievic. C'est 18-12. Bien fait, là. La part de Georgievic qui est tout sourire à la suite de sa réalisation. McGlashan, la gauchère au service. Bien remonté. Sur l'aile maintenant, Mikael trouve l'ouverture, mais McGlashan remonte le ballon. Et on essaie de trouver l'angle. C'est bien fait de la part de Zubac. McGlashan maintenant. McGlashan, Zubac, la gauchère, trouve l'ouverture dans la courte diagonale. 19-18. Vraiment, les Carabins, là, jouent très bien en cette fin de deuxième manche. De troisième manche, dis-je bien. Service maintenant de la part de McGlashan. On va en diagonale, Mikael. Mikael qui attaque, veut trouver l'ouverture, c'est bien récupéré. Et on continue le point. Bien fait par Georgievic. Attaque partiellement contrée. Et McGlashan évite le pire là, en mettant ses mains devant son visage. 19-13. Odigi au service maintenant à 19-13. Galanoele remonte, McGlashan vers l'attaquante. Bien fait, bien remonté. Ça allait tomber à l'intérieur. McGlashan récupère à sa sœur Georgievic. Voit ça, son attaque remontée. Maintenant, les Carabins reprennent. McGlashan, Galanoele. Ça revient tout juste devant McGlashan qui ne peut tirer son bras suffisamment.
bel échange là, gagné par les GGs, oui. Et c'est ODG qui est au service. Mais avant, un changement. Georgievich cède sa place à l'autre joueuse de première année, Charlotte Gallant. Elle qui étudie en enseignement et adaptation scolaire, qui est un produit là, d'Édouard Montpetit au niveau collégial. McGlashan remonte. McGlashan vers Gallardo-Haley. Bien fait, ça touche le plafond. Quelle attaque marquante de Gallardo-Haley. C'est maintenant 20-14. Et c'est celle qui vient de marquer sur cette attaque tonitruante. Gallardo-Haley au service. C'est bien monté. Maintenant, aux 3 mètres, c'est partiellement contré. Et vraiment là, ODG en attaque est une arme redoutable du côté des GGs. Et on n'a pas trouvé de remède encore du côté des Carabins. 20-15. Bien fait de la part de Mekkey. Et Cloutier à l'attaque. Ça réussit. Le ballon ne touche que du sol. Et c'est 21-15. Et pendant ce temps, on aura un temps d'arrêt appelé par les GGs et on se revoit de l'autre côté. Charlotte Gallant au service après ce temps d'arrêt. Il envoie ça en plein milieu. On passe sur l'aile et quel contre de Myriam Kayser-Tourigny. C'est 22-15 maintenant. Et on a un changement. La numéro 3 du côté d'Ottawa, Cameron Giddens, fait son entrée et c'est Dina Bristow qui va sur le banc. Et bien fait, beau service, ça revient aux 3 mètres. McGlashan, Kayser-Tourigny visait en plein milieu. Mekkey, ça perce le contre et le ballon tombe du côté des Carabins. Bien fait là, de la part de Mekkey. 22-16 maintenant. Mekkey et belle récupération de McGlashan. Kayser-Tourigny renvoie de l'autre côté. C'est bien fait. Maintenant, Langevin et quel contre de Florence Cloutier. 23-16. Zubac au service. Et
C'est renvoyé de l'autre côté. Quelle attaque d'Odigi. Cloutier renvoie en plein centre et Galanoëlé se contente de renvoyer de l'autre côté. Belle attaque et cette fois, qui réussit? 23-17 désormais. On a une manche âprement disputée ici au Sepsum. 6 points d'écart. Non, au service, Cloutier récupère. Cloutier à l'attaque. Ballon mal placé. Et maintenant Udiji. Bien remonté par McGlashan. Galanoëlé à Cloutier qui perce le contre. On aura un point de manche pour les Carabins. Florence Cloutier au service pour la manche. C'est remonté. Langevin sur l'aile au DJ. McGlashan bien fait. Et sa sœur plonge. Quelle attaque de Galanoëlé qui est réussie. Et la troisième manche là, se conclut par un pointage de 25-17. Vraiment là, très bien fait du côté des Carabins. Nous, eh bien, on vous revient après cette petite pause pour la quatrième manche entre les Carabins de l'Université de Montréal et les GGs de l'Université d'Ottawa. Et on est de retour au Sepsum pour cette quatrième manche entre les GGs de l'Université d'Ottawa et les Carabins de l'Université de Montréal. Après trois manches au niveau des statistiques, eh bien, sans surprise, Florence Cloutier mène en attaque avec
12 attaques marquantes. Bristow et McKay en ont 6 et 5 respectivement, chacune du côté d'Ottawa. Et la première la manche commence. Ballon du côté d'Ottawa. Cloutier récupère à McGlashan. Et il voulait surprendre la défensive. Ça a partiellement fonctionné. Et oui, ça fonctionne du côté d'Ottawa. On a un transport. 1-0. Au niveau des passes décisives, eh bien, Maxime Langevin en avant, tout comme Sarah McGlashan du côté des Carabins. Kézé-Tourigny au service, remonté par Mikael Langevin. À Mikael au 3 mètres, veut placer le ballon, bien remonté. Maintenant, Ottawa récupère au DJ. Bien fait là, par Garland Noël et Cloutier à l'attaque, ça touche le contre. Et au DJ, rend. Non, on avait le droit à une quatrième touche sur la séquence. Et belle attaque d'Ottawa qui réussit. Ce n'est pas une quatrième touche, c'est une troisième touche, mais le contre a partiellement touché au ballon, donc on a le droit à ce que quatre joueuses touchent au ballon lors de cette séquence. 1-1. Lung vers Gallard-Noëlle, ça revient à McGlashan, passe arrière. Belle attaque percutante de Melissa Georgievich. Et c'est 2-1. McGlashan à Mikael. Et on doit se contenter là, de renvoyer en manchette. Les Carabins récupèrent. Georgievich rate sa frappe. Passe arrière à Zubac. Beau contre de ODG. Vraiment, là, le ballon. Soit Zubac a mal visé ou soit ODG était très bien placé. C'est peut-être un peu des deux. Résultat, on revient à égalité. 2-2 partout. Cloutier remonte le ballon, mais sans précision. Les GGs prennent les devants, là. Maxime Langevin au service. Bien remonté par McGlashan à sa sœur. Zubac. Maintenant, passe arrière à Mikael. Trouve l'ouverture, mais bien remonté par McGlashan. Sa sœur maintenant, belle passe à Zubac. Et c'est 3-3. Et sur la séquence, c'est bien la libéro, Brittany McGlashan, qui a réussi la passe décisive sur la séquence. On revient à 3-3. Gallardo-Haley. On jugeait le ballon à l'extérieur. Mikael y a touché, on continue. Et c'est Mikael qui attaquera. Bien remonté là, de la part de McGlashan à sa sœur. Et Zubac là, tentait de trouver la diagonale. Ça a été fait. On continue la séquence. Cloutier veut trouver le terrain. C'est raté. En fait, il trouve le terrain, mais à l'extérieur. 4-3, Ottawa. Service de ODG. McGlashan à sa sœur. Cloutier maintenant est bien contré. Là. Ça revient du côté de Langevin. C'est contré. Très bien fait de la part de Georgievich et Cloutier. On revient à égalité. Partout. Melissa Georgievich au service. ODG récupère tant bien que mal. Langevin, belle course. Et on bloque, ça revient du côté d'Ottawa. Belle récupération. C'est Langevin qui renvoie en touche. McGlashan vers Cloutier. Cloutier perce le compte, ça revient du côté des Carabins. McGlashan à Cloutier encore une fois. Passe mal ajustée. Ça revient du côté d'Ottawa. Attaque. C'est bien remonté. Georgievich à Cloutier. C'est contré. Ça revient du côté montréalais. On a un long échange ici. Zubac voit sa frappe revenir du côté montréalais. Bel effort en défensive. McGlashan passe en plein centre. Kézé-Tourigny rate son attaque. Ottawa maintenant à l'attaque. Mikael se contente d'une touche. Bien placé. Ça revient à McGlashan. À Cloutier. Cloutier voulait trouver l'ouverture. Ça vient du côté montréalais. Georgievich, McGlashan, Kézé-Tourigny réussit le point interminable. C'est 5-4. Carabins.
vraiment, quel échange de chaque côté. On voit Meke là qui semble chercher son air à la suite de cet échange, vraiment là, bien fait de chaque côté. Georgievich, bien remonté par Odigi, bel effort de Langevin. Et on renvoie là, c'est Giddens. Ça revient, Cloutier attaque, bien fait. Et on revient du côté d'Odigi qui marque. Vraiment bien fait de la part d'Ottawa là. C'est la numéro 3, Cameron Giddens, ainsi que Bryn Lewis, la libéro, qui ont bien fait sur la séquence. Et vraiment, là, aucune équipe ne s'échappe avec l'avance. C'est 5 partout. Meke, McGlashan, à sa sœur, passe arrière à Zubac. Ça touche le contre. On veut récupérer. Et ça revient du côté des Carabins. Galarno et les. McGlashan passe arrière à Zubac. Et c'est une attaque marquante. Et Zubac doit s'ajouter à chaque fois, elle qui est gauchère. Donc, est-ce que c'est la passe, encore une fois, qui est mal ajustée pour Zubac? Ou c'est l'attaquante là, qui se positionne mal? Bref, on aura certainement là, des ajustements du côté d'Olivier Trudel à apporter. ODG, ça revient à Langevin, passe arrière à Mekel. Veut trouver le contre et on a touché au filet là. On pense que c'est Florence Cloutier, donc 6-6. Cloutier, McGlashan veut trouver l'ouverture, beau sauvetage. Ça revient du côté de Giddens. Belle récupération de Cloutier et Galarno Ellis se contente d'une manchette de l'autre côté. Passe arrière, Lung. Et Lung réussit son attaque puisque McGlashan envoie le ballon dans les hauteurs du Sepsum. C'est 7-6 maintenant. Ottawa. Mekel au service. Et beau service, McGlashan envoie aux 3 mètres, bien récupéré par Lewis. Ça revient sur l'aile, belle récupération de McGlashan. Et on attaque, on défend très bien là, de chaque côté. ODG, il va dans le lob, c'est raté. McGlashan à Zubac aux 3 mètres et Zubac là, n'est pas allé chercher ses appuis. Et les GGs mènent par 2 points. Mekel au service. Vise Galarno Ellé, quelques petites difficultés en récupération. Zubac, quelle attaque! Bien remonté par Lewis, ça revient du côté montréalais. McGlashan à Cloutier, quelle attaque encore une fois! Beau travail de Lewis et ça tombe à l'extérieur. Donc vraiment là, on teste la libéro Bryn Lewis. Elle répond bien, mais le ballon tombe à l'extérieur. Bien fait là, de la part des Carabins. Mekel attache son lacé. On peut reprendre Cloutier au service. Viseau DJ. Langevin à Mekel aux 3 mètres. C'est partiellement contré. Zubac là, réagit quelques fractions de secondes trop tard. Ne peut récupérer adéquatement. C'est 9-7. Giddens. On voit le ballon très loin à l'extérieur. On revient à un point d'écart. Kayser Tourigny au service envoie ça dans le filet. Et on redonne une avance de 2 points à Ottawa.
Service bien monté par Cloutier. Et on attaque. Ça revient du côté de Langevin, oui. McGlashan à sa sœur. Passe arrière. Bien fait, là. Et c'est Zubac qui récupère. Georgievic se contente de renvoyer en manchette. Mikkel. Langevin passe de l'autre côté. On visait le coin. ODG. Maintenant, Galano est là. Et le contre réussit à récupérer ce ballon. McGlashan passe arrière encore à Georgievic. Bien contré par Ottawa. Brittany. Belle attaque, mais on récupère. ODG attaque. Cette fois, c'est à l'extérieur. Point carabin. Donc vraiment, là, cette quatrième manche teste les... teste l'endurance et les capacités cardiovasculaires des athlètes, mais aussi les miennes dans la description. Vraiment, on a de longs échanges. On a de l'excellent volleyball dans ce match d'ouverture. McGlashan, Mikkel récupère. Et ça revient là, du côté d'Ottawa. Langevin est sur l'aile. ODG trouve l'angle, mais c'est à l'extérieur. On revient à égalité. Au service maintenant, c'est McGlashan, Sarah de son prénom. Ballon vient du côté d'Ottawa. Lewis se contente de renvoyer de l'autre côté. Galano et les voix, son ballon contré. Quel travail de la passeuse, Langevin. Et sur la séquence maintenant. Oui. C'est bel et bien Lewis là, qui fait un excellent travail en défensive dans ce match. Vraiment, la libéro s'illustre là, du côté d'Ottawa. McGlashan, ça vient à Cloutier au 3 mètres. Cloutier. Vous avez le fond du terrain, c'est récupéré. ODG à l'attaque, perce le contre. Quelle attaque splendide là, de l'attaquante. Vraiment. Elle sera surveillée tout au long de la saison, ODG. C'est 12-10 maintenant. McGlashan. Attaque réussie. Bien fait là par Zubac qui touche la ligne en fond de terrain. C'est 11-12. Et c'est au tour de Chloé Gallardo-Haley de s'élancer face à l'équipe là, de sa région natale, elle qui a d'ailleurs évolué avec le Mavericks d'Ottawa. Gallardo-Haley, c'est remonté par Mikkel. Langevin, Mikkel envoie le ballon à l'extérieur, on revient à égalité. Et est-ce que les Carabins pourront enfin prendre les devants? C'est ce qu'on verra lors du prochain point. ODG, au service. Le ballon tombe à l'extérieur. Donc, on revient à 13-13. On a quelques peu de difficultés là avec le tableau de pointage ici. Donc en fait c'est 12-13, mais maintenant 13-13 à la suite de l'erreur là, de Mikkel. Service. Georgievic, bien remonté là, par ODG. Ça vient sur l'aile. Georgievic récupère. McGlashan à Kayser-Tourigny. Et on récupère également là, du côté d'Ottawa. L'attaque est remontée. Maintenant, Cloutier doit se contenter d'une manchette. Quand même bien placé. Et on rate l'attaque du côté d'Ottawa. Et les Carabins prennent finalement les devants dans cette quatrième manche. Et Olivier Trudel rappelle à ses troupes de se calmer et de garder son sang-froid. C'est Georgievic qui est au service. Bien fait, ODG récupère bien. Passe arrière, Mikkel envoie le ballon complètement à l'extérieur. 15-13 désormais. Et on appelle un temps d'arrêt du côté d'Ottawa. Le temps de prendre une gorgée d'eau. On se retrouve après ce temps d'arrêt.
Le temps d'arrêt est terminé. Georgievich de retour au service. Sirmont, non! Quel service de la part de Georgievich! Et quel moyen, là, de retrouver le terrain à la suite du temps d'arrêt. C'est un as pour Georgievich. 16-13. Georgievich, à nouveau. Ça revient. Non, ça touche au plafond. On sentait le suspense, là. Et Olivier Trudel est tout sourire. C'est maintenant 17-13. Les Carabins ont le vent dans les voiles. Ah. Georgievich envoie le ballon dans le filet. 17-14. McKay au service. Envoie vers Galano et les belles manchettes. Beau contre de Lung. Ça revient à McGlashan sur l'aile. Et quelle attaque percutante de Zubac. 18-14. Et Zubac s'amène au service tout sourire. Beau service. C'est Odigi qui remonte. Bien remonté par Zubac. McGlashan maintenant à Cloutier. Et belle attaque de la capitaine. C'est 19-14. Et on a un changement. Numéro 8, Dina Bristow rentre. Alors que la joueuse de première année, Cameron Giddens, sort. Zubac au service, la gauchère, voulait feinter quelque peu en se déplaçant vers la gauche à la dernière minute, mais on envoie le ballon dans le filet, c'est 19-15. Mikkel au service et Gallarno Ailé récupère mal le ballon, c'est 19-16. On a un changement. Naomi Babi revient sur le terrain en remplacement de la numéro 10, Sarah McGlashan. Elle la remplace donc à la passe pendant qu'on fait un petit nettoyage de terrain. Après tous ces longs échanges, c'est normal qu'il y ait un peu de sueur sur la surface. 19-16. Et beau service, Cloutier envoie le ballon à l'extérieur. C'est un as. Bien fait, là, et on n'est plus qu'à 2 points d'écart. Et on appelle un temps d'arrêt du côté des Carabins. On vous revient après cette pause. Ce deuxième temps d'arrêt en quatrième manche est maintenant conclu. C'est Mikkel qui est de retour au service. Et beau service, c'est Gallarno-Ailé qui récupère Babi sur l'aile. Et Cloutier marque. C'est 20-17. Au service de la capitaine,
c'est Cloutier qui se lancera au service. ODG vers Langevin. Et c'est une attaque qui est réussie là, pour la numéro 8, Dina Bristow. 20-18. Et c'est Meg Lashen qui rentre pour Babi. Et au service, on a Bristow. Bristow envoie en plein centre vers Cloutier. Meg Lashen passe arrière à Kézé Tourigny. Et c'est contré. Bien fait par Meg Lashen. Et Cloutier renvoie de peine misère de l'autre côté. Belle attaque d'ODG. Et les Carabins n'y peuvent rien. Un seul point d'écart. Bristow à nouveau au service. C'est envoyé vers Galanoyer. Petit manque de communication. Et c'est Kaiser Tourigny qui renvoie de l'autre côté. Lewis. Langevin. Lung voit sa frappe contrée, mais ça tombe à l'extérieur. 20-20. Vraiment là. Ottawa joue un fort match en visite au Sepsum. Bristow. Et c'est bien jugé par Cloutier et Galanoélé. 21-20, Carabin. Et Myriam Kayser-Tourigny cède sa place à la numéro 6, Charlotte Bilodeau, qui s'élance tout de suite au service. Bilodeau. Et c'est un os! Très bien fait pour la joueuse de première année. Et excellent changement là, de la part d'Olivier Trudel. Et on a tout de suite un temps d'arrêt du côté d'Ottawa. On vous revient dans quelques instants. Et on est prêt à reprendre et Charlotte Bilodeau est toujours au service. Bilodeau, bien fait, ça revient à Langevin. Et belle attaque, tout en douceur cette fois de G. Et c'est 22-21. Et on a un changement là, c'est Lung qui cède sa place à la numéro 15. Danica Robert qui va prendre le service. Robert voit vers Meg Lashen, assasseur, passe arrière. C'est bien fait, ça marque pour Melissa Georgievich. 23-21. Sarah Meg Lashen au service. Bien remonté par Mikael. Passe arrière. ODG qui vise en plein centre. Bien remonté. Zubac. Bien fait là, par la libéraux. Ça revient à ODG qui attaque et ça réussit. L'arbitre là, reçoit le ballon en plein visage. Et on semble bon. C'est 23-22. Petit moment de flottement, là.
L'arbitre en chef a l'air en forme pour continuer. Langevin. Et c'est un as! On tombe à 23-23. Ce match semble loin d'être terminé. Service. Encore une fois, un as! Et on a soudainement là, un revirement de situation. Temps d'arrêt du côté de Montréal. On se revoit de l'autre côté pour cette fin de quatrième manche. Et les joueuses sont déjà prêtes à reprendre l'action. Point de manche pour Ottawa, 24-23. C'est remonté de peine et de misère. McGlashan passe à Galanoélé qui perce le contre. Ça revient à l'arrière. Langevin à Odigi. Et le contre est réussi. Ça revient du côté d'Ottawa. Et c'est Lewis qui se contente de rejeter de l'autre côté. Attaque qui réussit de la part de Georgievic. Mais non! On dit que ça a retouché à Georgievic. Point Ottawa. Et on aura une cinquième manche dans ce match d'ouverture. Vraiment, là, tout un spectacle au Sepsum pour ce match d'ouverture. On vous revient dans quelques instants pour cette cinquième manche. De retour au Sepsum pour cette cinquième manche
entre les Carabins et les GGs d'Ottawa dans ce match d'ouverture. Et on le rappelle, la cinquième manche n'est pas jusqu'à 25 points, mais bien jusqu'à 15. Donc, on peut s'attendre à une manche très rapidement disputée, contrairement aux deux dernières. Là. Et jusqu'à maintenant, eh bien, on le rappelle, là, en première manche, les Carabins ont gagné 25-15. On baissé pavillon 16-25 par la suite. Et on s'est encore échangé les manches de chaque côté. Et c'est parti, c'est McGlashan. Maintenant, Galarno-Ellé. Le contre vient du côté montréalais. McGlashan passe à Georgievich. Bien fait de la part de Lewis. ODG à l'attaque et ça touche le contre. Et bien fait là, de la part d'Ottawa. 1-0. Service. McGlashan maintenant. Et non! Belle fin de la part de McGlashan. Toute la défense d'Ottawa a mordu. C'est 1-1. Chloé Galarno-Haley au service. Envoyé vers McHale. Et c'est à l'extérieur. Bien fait, là, de la part des Carabins qui prennent les devants. Et pour le moment, là, la passeuse Maxime, on y reviendra, là, pendant que ODG réussit l'attaque, c'est 2-2. Et Maxime Langelier s'illustre vraiment là, sur la feuille statistique. Elle qui a pas moins de 7 as en plus d'avoir réussi pas moins de 31 passes décisives, contrairement à 26 pour Sarah McGlashan. Donc, fort match là, pour Maxime Langevin. Et le ballon passe de l'autre côté. Lewis à ODG. ODG trouve le compte. Encore une fois, le ballon va taquiner l'arbitre. C'est 3-2 Ottawa. Et parlant de Langevin, eh bien, elle se retrouve au service. McGlashan à sa sœur, Taka Georgievich qui réussit. Très bien fait de la part de Georgievich. Et on revient à égalité. Melissa Georgievich au service. C'est bien fait. Lewis remonte. Ça vient en plein centre à Mekika. Une belle ouverture. Et Galarno-Ellé ne peut suffisamment contrôler le ballon. Et c'est 4-3 maintenant à Ottawa. McHale au service. Bien fait. C'est Mekki qui reprend. Et bel échange, mais meilleur contre de la part des Carabins. C'est 4-4. Ce qui envoie Zubac au service. Et elle envoie le ballon dans le filet. Point gratuit là, qui pourrait faire des dommages à Ottawa. 5-4 maintenant. Service réussi. McGlashan à sa sœur. Et on voulait surprendre la défense. Et Zubac là, juge mal ce ballon. 6-4. Donc, deux erreurs là, qui coûtent cher au Carabin pour le moment de la part de Zubac. Et on entend la foule se lever, encourager les Bleus. McKay envoie le ballon vers McGlashan.
à sa sœur. Cloutier attaque. C'est bien remonté par McGlashan. Cloutier lobe le ballon. Ça revient à l'arrière du terrain. Passe arrière. Et ça passe. McGlashan à Zubac au 3 mètres. Zubac envoie en diagonale. McKay maintenant. Passe qui revient du côté d'Ottawa. Maintenant McHale. Ça touche le compte. Gallardo-Ailey à McGlashan. À Cloutier. Et ça réussit. Bien fait là par Cloutier. Le ballon touche le filet, touche le contre, touche le filet. Point Carabin. Service de Cloutier au DJ. Remonte le ballon. Ça revient sur l'aile. Bien fait. McGlashan à Kayser-Tourigny qui trouve l'ouverture. 6-6. Et c'est au tour de la capitaine Florence Cloutier d'être au service. Cloutier rate son service. Les GGs profitent de ce point gratuit. C'est 7-6. Ottawa. McHale. Oh. Et c'est à l'extérieur, bien jugé par Cloutier et McGlashan. On revient à égalité. Maintenant, autour de Myriam Kayser-Tourigny. Bien récupéré par McHale. Au 3 mètres au DJ. Il trouve l'ouverture, mais Kayser-Tourigny remonte le ballon. McGlashan. À Gallardo-Ailey, et c'est tout juste à l'extérieur. 8-7, Ottawa. Et on doit changer de côté. Du côté, ben, on fait du côté des deux équipes. On prend une petite pause. Et on est prêt à relancer l'action pour cette fin de match pour service Bristow. Et Gallardo est là encore une fois de la difficulté dans ses réceptions de service. 9-7. Et Olivier Trudel appelle tout de suite un temps d'arrêt. On prend encore une fois une petite courte pause. Et on est prêt à reprendre là, du côté
de cette cinquième manche entre les GGs et les Carabins. Cloutier récupère bien le service. McGlashan sur l'aile. Georgievic réussit l'attaque. C'est 9-8. Toujours Ottawa en avance. Sarah McGlashan au service. Bien fait, ça revient. À Langevin sur l'aile à ODG. Et encore une fois, là, place très bien le ballon par-dessus le contre. Montréalais. Et c'est 10-8. Et on a un changement. Lung, à nouveau, cède sa place. Ah. J'attends toujours de voir son numéro. La numéro 15, oui, Danica Robert. Comme ça a déjà été fait quelques fois dans le match. Et pendant ce temps, la foule se met de la partie au Sepsum. Robert au service. Robert envoie le ballon à l'extérieur. 19. Chloé Gallardo-Haley au service. Lewis, Langevin. Et ODG envoie le ballon à l'extérieur. Et non, le point va au Carabin. Malgré là, les invectives de Lionel Woods. Et l'arbitre en chef fait signe qu'il a bien vu le ballon, malgré l'appel de son juge de ligne. Donc, résultat des courses, Gallardo-Haley au service maintenant. Et le ballon revient dans le filet. Ottawa reprend les devants. Et c'est Maxime Langevin qui est au service. Et la foule se met de la partie à nouveau. Cloutier, McGlashan, attaque de Georgievic, il revient. Après une petite valse sur le filet, Zubac avait l'ouverture bien remontée par Lewis. McGlashan, attaque de Georgievic. On revient du côté de ODG et ça réussit. Le banc d'Ottawa explose. C'est 12-10. Langevin de retour au service. Pendant que la foule se lève. McGlashan récupère bien. McGlashan à Georgievic, le ballon. Et pour Langevin, ça revient à ODG. ODG, il va dans un lob. McGlashan maintenant passe en plein centre à Georgievic. On récupère McGlashan à sa sœur. Attaque de Zubac maintenant à la gauchère. Attaque qui réussit pas. Bien fait par Georgievic. Deuxième feinte au filet qui réussit du côté des Carabins. C'est 12-11. Melissa Georgievic, maintenant au service. Le ballon passe, ça revient du côté de Mekie. Belle attaque contrée par Casey Tourigny, on essaye. Bien fait du côté de Georgievic. Et Casey Tourigny renvoie le ballon de l'autre côté. Lewis sur l'aile à Mekiel. Mekiel trouve l'ouverture, mais bien remonté par Georgievic. Ça revient du côté d'Ottawa. Maintenant, Lewis sur l'aile à ODG qui trouve l'ouverture, mais Georgievic est là. Zubac, maintenant il va d'une attaque qui marque. On revient à égalité. Et on appelle un temps d'arrêt du côté d'Ottawa. On se revoit dans quelques instants pour ce qui devrait être la conclusion de ce match d'ouverture entre les Carabins de l'Université de Montréal et les GGs de l'Université d'Ottawa.
est de retour après ce temps d'arrêt. Milisa Georgievich au service. Et très bien fait par Georgievich qui réussit l'anse. C'est 13-12, Carabin. Très bien fait par Georgievich là, qui donne un point d'avance au Carabin. Georgievich à nouveau, bien remonté cette fois. Passe arrière à ODG. Et quelle attaque d'ODG. On dit que ça a touché. On revient à égalité partout. ODG au service. La foule est en feu. Cloutier à Meglashin. Meglashin à Kesetourigny. Et bien fait par Lewis. ODG attaque et c'est à l'extérieur. Est-ce qu'on a touché? Non. Point. Carabin. Et on a un point de match. Et c'est Charlotte Bilodeau, là, la joueuse de première année, qui s'élancera tout de suite après le temps d'arrêt d'Ottawa. On se revoit dans quelques instants pour ce qui pourrait être le point final de cet affrontement entre les GGs d'Ottawa et les Carabins de Montréal. De retour de ce dernier temps d'arrêt. Et Olivier Trudel a choisi la joueuse de première année. Charlotte Bilodeau pour s'élancer sur ce qui pourrait être le dernier service du match. Bilodeau envoie en plein centre. Lewis récupère sur l'aile. Et c'est Meglashin maintenant. Kesetourigny qui renvoie en manche de l'autre côté. Lewis. L'Angelier passe arrière à McHale qui trouve l'extérieur du terrain. Les Carabins remporte ce match par la marque de 15-13 en cinquième manche. Vraiment, là, tout un match de la part des deux équipes. On a eu droit à tout un spectacle ce dimanche au Sepsum. Et les Carabins récoltent leur première victoire à leur premier match. Dans cette rencontre, on a vu l'entrée là, de presque toutes les joueuses de première année, à l'exception des deux joueuses qui n'étaient pas habillées, Anouk Mathieu Van Rossum, ainsi que la joueuse qui n'apparaît. Oui, ainsi que Ilona Milan. Donc, le prochain match des Carabins de l'Université de Montréal aura lieu face à l'UQAM, face aux Citadins, le 20 octobre prochain à 18h. Oui, dis-je bien. Mon nom est David Brosseau. Merci énormément de nous avoir choisis pour ce match de volleyball entre les Carabins et les GGs de l'Université d'Ottawa. On se revoit la semaine prochaine pour un match de hockey et d'autres matchs de volleyball. On vous souhaite un excellent dimanche et on se revoit bientôt.